Bonjour à tous, c'est MaxiCamFR, on se retrouve aujourd'hui pour le 83e épisode de la carrière suivie sur Farming Simulator 2013. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Et aujourd'hui on sème comme prévu, mais avec des outils qui n'étaient pas prévus, puisque je vous avais dit que c'était avec un magnum. Mais on va dire que j'ai un petit peu changé d'avis. Et donc j'ai décidé de prendre ce challenger avec donc le semoir Vaderstadt. D'ailleurs on va commencer tout de suite donc avec le semoir Vaderstadt et le tasse avant coché. Voilà. Alors par contre je vois, parce que je le teste juste, je vois qu'il y a des petits bugs de lumière qui sont pas terribles. C'est là que les traceurs vont servir, mais il faudrait déjà que je les mette. Hop, voilà, c'est l'autre. Donc je vois qu'il y a des petits bugs, c'est pas bien méchant, mais je préfère quand il y en a pas. Voilà. Bon, sinon rien de neuf de particulier. Donc j'ai fini le chemin de semer le champ à droite, donc le champ 17. Et puis voilà, sinon c'est à peu près tout. Je sais pas si je peux semer avec un autre semoir en même temps, j'ai plus beaucoup d'argent. Faudra que j'en remette un petit peu, ou que je vende des céréales ou un truc comme ça, parce que là j'ai plus beaucoup d'argent. Et en plus je sème comme un goré avec ce tracteur. Voilà, je voulais vous montrer pour le tester. Non, franchement il est pas terrible terrible. Je me demande si on va pas essayer d'en trouver un autre pour faire l'épisode, parce que donc j'ai rien contre les challengers, absolument. D'ailleurs en challenger, je vous avoue, je ne connais pas trop. Mais je sais pas. Dans le jeu, je l'aime pas. En vrai, j'en ai jamais conduit autant, un quad track, j'en ai conduit, je vous ai dit. Mais sinon, je... sinon, non, je veux pas... Challenger, j'ai pas conduire. Je suis monté dans un, mais c'était il y a longtemps. Et sinon non, j'en ai jamais conduit. Puis oui, Quatrac, j'en ai conduit un même, plusieurs fois, mais maintenant j'en conduirai plus puisque j'en ai plus qui m'appartiennent. Enfin, je conduirai plus en tout cas le mien, puisque j'en ai plus maintenant, je n'en conduirai plus. J'aurais bien aimé, mais voilà, c'est comme ça, c'est pas moi qui décide, donc, puisque c'est mon père qui est mon père est agriculteur, donc voilà. Et donc j'ai un magnum, mais quad track ouais, je me demande si je vais pas... vous voyez peut-être pas comme ça parce que j'essaye d'absorber un petit peu les chocs, mais moi franchement je vais remonter là-bas, mais je crois que je vais changer de tracteur parce que en plus déjà que j'aime pas conduire de nuit, mais si en plus il y a des bugs de lumière, c'est non, ça va pas le faire. Bon, je suis désolé hein, je suis encore un petit peu malade, de ça doit s'entendre un peu moins quand même. Et puis ici un petit truc de nouveau quand même, on se rapproche tranquillement des 10 000 vues puisqu'on est à 9350, un truc dans le genre. Donc tranquillement on se rapproche des 10 000. Voilà. Une info, surtout n'oubliez pas, si vous habitez en Poitou-Charentes ou dans le coin ou des trucs comme ça,
Je vous invite donc dimanche prochain, donc le 6 avril, pour ceux qui regardent la vidéo cette semaine-là. Je vous invite donc. Attendez, si je me concentre. Voilà. Donc je vous invite à une expo de miniatures agricoles, puisque je suis modéliste. Donc dans les Deux-Sèvres, au Breuil-Cofot, c'est possible que vous ne connaissiez pas. Donc les GPS ça existe, ou au pire vous cherchez sur internet. Voilà, donc je vous invite à cette exposition si vous le souhaitez. De toute façon, c'est écrit dans la description, vous regarderez. Voilà. Bon, alors. Je le dis plein de fois, hein, mais c'est que j'aimerais bien qu'il y ait du monde qui vienne. Si vous venez, donc il y aura une petite pancarte MaxiCamFR sur mon stand. N'hésitez pas à venir me dire que vous connaissez la chaîne, pour qu'on puisse parler, même si c'est 2-3 minutes ensemble ou quoi. Ou juste histoire de me rencontrer. Voilà, franchement, il n'y a pas de problème. Venez faire un tour, c'est gratuit. Si vous habitez pas très loin, franchement, venez faire un tour, ça vaut le détour. Voilà. Et en plus, c'est sympa, c'est convivial, il y a plein d'autres exposants. Venez faire un tour. Si vous avez l'occasion, ou si vous savez pas quoi faire dimanche, et même si vous savez quoi faire, vous pouvez venir. Franchement, voilà. Ah oui, c'est vrai, j'avais téléchargé un mode, j'avais prévu un truc que j'ai complètement oublié. Je suis absolument désolé, je comptais pas faire ça, j'avais absolument oublié. Donc, bah. C'est pas grave, on va le faire tout de suite. Le challenger, il est où que je le revende? Hop. Donc on va prendre un magnum. Ben j'en ai déjà un de toute façon. Je vais pas aller en acheter un autre. On va racheter une herse. Et un semoir, que c'est un vieux mode mais que j'aime bien. Hop. Alors attendez, on va réinitialiser, hop, pour gagner du temps. Hop, voilà, ils sont rendus à la ferme. J'ai pas un magnum dans le coin. Ah oui, puis j'ai un petit mode que je suis en train de tester. Un mini mode. Ou enfin, je sais plus trop comment ça se dit. Je suis désolé si j'écorche le nom. Si c'est une imog. Il n'y a pas un magnum jumelé dans le coin, au pire je vais prendre celui-là. Ouais, allez, zut. Je vais prendre celui-là, c'est pas grave. Je regarde quand même s'il y en a un par là-bas. Hop, on enlève les outils, comme ça on voit mieux. Non, il n'y en a pas par là. Où est-ce qu'il est mon magnum jumelé? Il est là. Bon. Tant pis, on va prendre celui-là. Allez, hop, c'est parti. Je suis désolé si ça prend du temps. Franchement, désolé. Hop, allez, c'est parti. Je prends pas un quad track, c'est pas nécessaire. Même si j'adore les conduire en vrai. Mais que franchement, bah, je pourrais plus en conduire en vrai. Il y a un des abonnés qui le sait, puisque je lui ai dit par Skype déjà que je n'aurai plus de quad track. Mais bon, tant pis. Pas grave. Un bon Magnum 235, c'est bien aussi. Alors, je sais plus par quel côté ça s'attelle. La herse, elle est de ce côté-là, donc ça s'attelle par là. Hop. Voilà. Bon, on va essayer un truc, hein. Je vous garantis pas que ça marche, mais j'avais envie d'essayer. Le problème, c'est que déjà, la herse, c'est vachement lourd pour le Magnum.
Donc je sais pas. Oh, c'est quoi ce bug? Ah oui, il faut que je la baisse la herse avant d'arriver. C'est quoi ce bug? Voilà. Par contre, faut peut-être que... Ah, c'est pas vrai! Je me trompe de touche. Première fois que j'ai arrivé à rager sur Farming. Hop. Rager sur d'autres jeux, j'ai déjà fait, mais pas sur Farming. Hop. Ah, bon. Joli petit bug, hein. Mais... What? Le truc, ça lève le magno. Je crois qu'en fait, on va se mettre au quad track. Je sais pas pourquoi. Mais j'ai un petit peu l'impression parce que... Ou on va se mettre au puma avec des masses, je sais pas, mais... Parce que pour lever le nez d'un magnum, franchement, je vous le dis, faut en mettre derrière. Hein. Ça, je peux vous le confirmer. Autant au code track, j'en sais rien. J'en sais absolument rien. Mais je sais pas quelle charge on peut mettre derrière. Mais un magnum, je peux vous confirmer. J'ai fait l'essai. On peut en mettre un paquet derrière avant que ça le lève. Je vous le dis tout de suite. À moins que sur le Snoopy, je puisse le mettre. Ah ouais, ce serait sympa sur le Snoopy. Ouais, ça pourrait être sympa ça. Bon, je suis désolé, ça prend du temps, hein, mais je sais. Hop. On va essayer. Bon, c'est absolument le bordel dans ma cour de ferme, va falloir que je me décide à ranger un jour. Parce que là... plus bordélique, je suis pas sûr que ça existe. En vrai, c'est beaucoup mieux rangé. Enfin, au moins pour moi, en tout cas. Et bah si, il y en avait là. Il y en avait là, mais bien, il n'est pas joué. Au pire, on ira avec le vieux code track, c'est pas grave. Enfin, avec le vieux, c'est-à-dire. Alors, ça te lève pas le nez, toi. Ouah, ça n'est pas long. Ouais, mais non, il tient la route, quand même. Ouais, si, ça va. Il tient la route. Ouais, c'est bon. Allez, hop, on remplit. Alors, hop, on règle en blé. J'essaie de me dépêcher. Je suis absolument désolé. C'est que j'ai pas préparé l'épisode et j'avais prévu autre chose et j'ai fait ça au dernier moment. J'ai pris le challenger au dernier moment. Donc voilà. Oh, si, il tient la route. Là. Ça le tire, mais bon, il tient la route. Alors par contre, j'ai peur qu'il y ait des petits bugs. Il y a l'air ce qui va se prendre dans la roue. Voilà. Il y a des petits bugs comme ça. Bon, je suis désolé. Quand il sera baissé, ce sera peut-être mieux. Alors, Shift X. Voilà, déjà. Alors, on va, tac, démarrer la Hertz. On baisse la Hertz. Ouah, ça tire quand même. Je peux vous le dire. On active, baisser le semoir, le truc, ça sème alors que le semoir a même pas baissé quoi. Je vais le baisser quand même, ça risque de faire des petits bugs mais au pire je le relèverai comme j'avais fait. Hop, on est plus le transfert et on va faire un essai. Je crois que ça va faire des petits bugs. Ouais, puis je sème comme un gorille. C'est quoi ce travail de porc?
Ah, je suis en train de faire un beau travail de bord. Puis en plus ça sonne, on a fait les 15 minutes, je suis franchement désolé pour cet épisode pourri, je vous ai habitué à mieux que ça. Là je vous fais de la merde. Désolé du mot, hein. Il n'y a pas d'autre mot. Parce que d'habitude je prépare un peu mes épisodes, mais là je ne vais pas préparer. Allez, on essaye comme ça, et si ça fonctionne, tant mieux. Sinon, tant pis. Je vais dire maintenant vitesse 1. J'ai pas l'impression que ça sonne. Et ça sonne. Non. Ah, franchement, je pense qu'on peut faire mieux. Ouais. Ah. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas terrible mon truc aujourd'hui. Je crois que je vous ai habitué à mieux. Bon, bah écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là-dessus. Je suis franchement désolé pour cet épisode pourri. Parce qu'aujourd'hui, c'était franchement pas terrible. On se retrouve quand même dans deux jours pour je crois qu'on sera au 84e épisode. Je vous dis donc à dans deux jours. Allez, salut les amis. D'ici là, je vais essayer d'en trouver un. D'ici là, je vais essayer de trouver un truc. Allez, quand même, mettez un petit pouce vert, compte là, ça en vaut pas la peine. Commentaire, y a rien à dire. Sauf si vous souhaitez venir à l'expo, dites-le moi, comme ça je saurai qu'il y a des gens qui viennent. Et puis abonnez-vous si c'est pas encore fait. Allez, salut les amis!